Voilà, rebonsoir, on est de nouveau sur TV Radio de Vie, voilà, donc tout à l'heure on n'a pas coupé le son, donc du coup ben, on a eu une petite surprise là, mais que le Seigneur soit béni, merci Seigneur pour ta bonté. Donc nous allons nous parler, nous allons partager sur le temps et sur la fin de toutes choses, voilà, donc les événements qui ont lieu actuellement dans le monde, sur la géopolitique et notamment sur... l'état également de nos églises. Donc, en fait, nous allons parler du temps dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que figurez-vous que depuis quelques semaines, le Seigneur me mettait à cœur, n'est-ce pas, de partager sur le temps. Et ce matin, justement, pendant que je dormais, j'ai eu une vision dans laquelle je me voyais dans un endroit et il y avait plein, plein d'horloges. J'étais entouré d'horloges, voilà, plein de montres, partout, partout, partout. Et j'ai été attiré, comme attiré par une horloge, une énorme horloge. Et puis, je regardais, n'est-ce pas, et je fixais cette horloge, et j'ai vu, n'est-ce pas, qu'il était minuit moins 5. Minuit moins 5. Et ensuite, l'aiguille, n'est-ce pas, tournait et elle s'est arrêtée à minuit moins 3. Et par la suite, j'ai vu des lumières venant du ciel et des anges qui descendaient du ciel sur la terre. Et d'un seul coup, j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, descendre. C'était le retour de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai vu tout ça, ensuite je me suis réveillé et dans mon cœur, j'entendais clairement, il faut parler du temps dans lequel vous êtes. Du temps, parce que la connaissance du temps échappe à beaucoup de chrétiens. Très peu de chrétiens, très peu d'églises parle sur le temps dans lequel nous évoluons, dans lequel nous sommes. Donc du coup, beaucoup de gens marchent, beaucoup de chrétiens se comportent comme si le lendemain leur appartenait. Ils ne savent pas forcément ce qui se passe. Qu'est-ce que la Bible dit sur, n'est-ce pas, l'actualité? Parce que l'actualité, mes amis, confirme la véracité des Écritures. Et très peu de chrétiens sont malheureusement au courant de cela. Donc, je tiens à nous dire, d'après la vision que Dieu m'a donnée ce matin, dans l'horloge de Dieu, il est, mes amis, 23h57, c'est-à-dire il est presque minuit. Et les lecteurs de la Bible, les étudiants de la prophétie biblique, les chrétiens qui aiment la parole de Dieu, qui la lisent régulièrement, quotidiennement, et savent pertinemment que la période de midi, de minuit, pardon, est une période prophétique. D'accord? Donc, on va d'abord aller voir rapidement dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, c'est littéralement à minuit. D'accord? C'est ce que les Écritures disent ici. Donc, à minuit, précisément, nous dit la parole, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà, frères et sœurs, donc ici, on connaît hein, pratiquement cette histoire, pour ceux qui lisent la Bible. On nous dit qu'à minuit, précisément, on va crier, voici l'époux. Donc l'époux, nous dit la parole, va arriver à minuit. C'est-à-dire, Dieu seul connaît ce jour-là, nous sommes d'accord, mais d'après les Écritures, on nous dit que c'est à minuit. Pourquoi minuit? Alors, ne comprenez pas, ne voyez pas cela sur le plan, ne le comprenez pas sur le plan physique. Je ne parle pas de, la Bible ne parle pas de minuit selon les hommes. Donc, minuit, dans les Écritures, nous parle en fait de l'apostasie, nous parle du péché, de la confusion, nous parle de l'éloignement total des hommes de Dieu. Les hommes vont de plus en plus, n'est-ce pas, s'éloigner de Dieu pour établir leurs propres règles. Minuit représente également, n'est-ce pas, l'apogée, le péché dans son apogée, le paroxysme du mal, le sommet du mal. Et donc, au-dessus de ce sommet, il n'y a plus rien. Donc, le mal va tellement s'accroître, hein, n'est-ce pas, que Dieu sera, n'est-ce pas, Dieu ne pourra que intervenir, comme dans Genèse chapitre 11, lorsque les hommes de cette époque avaient décidé, comme vous le savez, de construire, de bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. La parole nous apprend que Dieu va dire « descendons », n'est-ce pas? Donc, remarquez dans les Écritures, à chaque fois que Dieu était descendu du ciel sur la terre, c'est parce que le péché avait atteint des degrés de niveau inégalés. Notamment à l'époque de Lot, dans Sodome et Gomorre, nous dit la parole, Dieu va, n'est-ce pas, envoyer des anges parce que le péché de Sodome et Gomorre, n'est-ce pas, avait atteint des sommets, avait atteint son paroxysme. Et également, quand Adam va pécher, nous dit la parole, eh bien, Dieu va également descendre pour pouvoir, n'est-ce pas, parler à l'homme. Voilà, donc à chaque fois, dans l'histoire du monde, hein, biblique notamment, à chaque fois qu'un pays avait atteint un niveau très élevé dans le péché, dans la compromission, eh bien, Dieu intervenait, Dieu jugeait. Donc c'est ça en fait le péché, le paroxysme du péché, n'est-ce pas, correspond à la période de minuit. Minuit, c'est vraiment, c'est là où le sommeil devient profond, n'est-ce pas? C'est là où, ben, c'est carrément là où les songes deviennent de plus en plus intéressants. Voilà, donc minuit, dans les Écritures, représente vraiment l'apostasie, le péché, hein, donc, qui se généralise, justement. Et donc, c'est comme si une coupe, n'est-ce pas, qui est remplie d'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un débordement. Voilà, donc c'est ça en fait minuit. Le péché c'est tellement accru que Dieu ne peut que intervenir, ne peut que revenir. Or, si vous regardez bien dans notre génération, n'est-ce pas, nous sommes dans une génération où le péché s'est tellement banalisé, tellement généralisé que, frères et sœurs, Dieu ne peut que, n'est-ce pas, intervenir parce que, pour votre information, les églises, pour moi, à l'heure actuelle, en regardant à gauche, à droite, à ce qui se passe ici et là, ben, les églises du Seigneur, l'église du Seigneur est de plus en plus cachée. Les vrais chrétiens sont de plus en plus, mes amis, cachés. Et ceux qui sont au top, ceux qui ont pignon sur rue, ben, c'est plus les voleurs, les charlatans, et qui débitent, comme vous le voyez vous-même, n'est-ce pas, des histoires, qui racontent des histoires à dormir debout. Donc voilà, donc nous sommes vraiment à minuit, donc il est pratiquement minuit, frères et sœurs, trois minutes, c'est quoi trois minutes? C'est rien. La vision que Dieu m'a donnée ce matin, frère, est grave, est terrible. Dieu m'a montré clairement ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai vu cette grande horloge, mes amis, et l'aiguille, n'est-ce pas, la grande aiguille était sur le chiffre 57. Vous voyez, c'était vraiment minuit moins 3. Et là, j'ai vu le Seigneur descendre. J'ai vu des anges d'abord venir, certainement les anges qui viendront pour, n'est-ce pas, prendre les saints. Et j'ai vu par la suite le Seigneur lui-même descendre. Et c'était glorieux, frères et sœurs. La terre était illuminée. Il y avait la gloire de Dieu partout, la gloire du Seigneur. Et les élus, mes amis, étaient bien sûr pris. Donc, c'est glorieux, cette vision, quand je me suis réveillé. Et j'ai compris dans l'esprit qu'il nous reste très peu de temps. Chrétiens, écoutez très bien,
ouvrez grandement vos oreilles. Il nous reste très peu de temps. Donc, il est important, mes amis, de comprendre le temps, de saisir le temps dans lequel nous sommes. Donc, il ne faut surtout pas se distraire. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut nous amener sur le terrain de la distraction, mes amis, pour nous éloigner du plan de Dieu, de la vision du Seigneur. Vous savez, quand Néhémie reconstruisait le temple, les murailles, l'ennemi, Satan voulut le distraire, ainsi que les gens qui travaillaient avec lui. Et bien, Néhémie est resté focalisé sur l'œuvre du Seigneur. Voilà, donc il est 23h57 dans l'horloge de Dieu, dans l'horloge prophétique, dans le temps de Dieu. Et il nous reste très peu de temps. Regardez, il est vraiment important pour nous de connaître le temps de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Et voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui appellent déjà, qui ont des questions certainement à poser. Donc voilà, donc bon, ben on va écouter cette vision et ensuite on va continuer l'enseignement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Oui. Voilà, je vous téléphone. Je venais juste d'allumer mon PC et je vous suis. Là, je confirme qu'il n'y a plus de temps, frère. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. J'ai fait la même vision. Le Seigneur m'a montré la même chose. Et je dormais. Je te vois. Je vois le frère Shura qui me suit en courant. Et il me dit, mais écoutez, frère, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau pour toi. Je m'arrête comme ça. Mais quel genre de cadeau? Là, tu sors une horloge. Tu me tends une horloge. Oh, gloire à Jésus. Tu me donnes une horloge. Et là, je prends l'horloge. Je me réveille. Je me réveille directement. Je me... Seigneur, j'ai commencé à prier. J'ai intercédé. Qu'est-ce que ça veut dire, une horloge? L'apôtre Shura qui me tend une horloge. Et j'ai médité sur cela. Et là, le Seigneur me dit qu'il n'y a plus de temps. Et aujourd'hui, là, j'allume mon PC. Tu es en train de parler de la même chose. Alors, frère, il n'y a plus de temps. Jésus revient bientôt. C'était juste pour confirmer cette vision-là. Que Dieu soit béni. Merci, frère. Bon courage et bonne préparation pour les noces. Merci beaucoup. Voilà, frères et sœurs. Donc, Dieu confirme les choses. Nous sommes dans 1 Chronique, justement, chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Voilà, 1 Chronique. Donc, on va te laisser le temps de le trouver comme tu viens de te convertir à Christ. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous faire la lecture, s'il te plaît? 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Voilà. Voilà. 1 Chronique 12, 32. Voilà, on va te donner le micro en même temps. Parfait, il n'y a pas de souci. Des fils d'Issacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici, frères et sœurs? Écoutez bien l'enseignement. Des fils d'Issacar, nous dit la Bible, n'est-ce pas, connaissaient, avaient la connaissance du temps. Ils avaient le discernement par rapport au temps. Le discernement de temps. Parce qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps des nations, il y a le temps d'Israël, tout ça. Et voilà. Et c'est terrible, frères et sœurs. On apprend ici que la tribu d'Issacar maîtrisait, connaissait le temps. Donc, celui qui maîtrise le temps, celui qui discerne, qui a le discernement par rapport au temps, celui qui connaît en quel temps il est, dans quelle période, dans quelle saison il vit, il peut facilement conseiller les autres. Il peut, celui qui connaît le temps dans lequel il vit, il ne peut pas se faire avoir parce qu'il sait, il connaît son temps. Voyez, la maîtrise de temps est importante, frères et sœurs, est capitale, indispensable. Regardez aujourd'hui les gens qui maîtrisent la météo. Imaginez, je vais prendre un exemple. Est-ce que vous savez que les pilotes d'avion, avant de s'envoler, ils ont d'abord le bulletin météo. Ils exigent, c'est obligé, c'est une obligation. Donc on leur donne le bulletin, un bulletin météo. Ils vont le consulter et ils vont également être avertis, même malgré le fait qu'ils ont le bulletin météo, une fois au-dessus, dans les airs, frères et sœurs, et ils vont régulièrement, n'est-ce pas, régulièrement consulter la météo. Ils ont, comme vous le savez, les avions sont équipés de radars, donc pour surveiller, suivre l'évolution du vol,
mes amis, et les éventuels dangers, hein, donc liés à la météo, n'est-ce pas, sur le parcours, afin de pouvoir les éviter. Voilà. Donc, et un pilote d'avion qui n'a pas la maîtrise de la météo, eh ben, il va, n'est-ce pas, conduire ses passagers à la catastrophe. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'un bon pilote est aussi un bon, n'est-ce pas, météorologue. Donc, c'est obligé. Alors, imaginez, frères et sœurs, des pasteurs qui sont comme des pilotes, des dirigeants d'église qui sont comme des pilotes et qui n'ont pas la maîtrise du temps, qui ne maîtrisent pas la météo spirituelle. Imaginez les dégâts qu'ils vont causer. Quand il faut donner la nourriture convenable aux chrétiens pour les préparer pour le retour du Seigneur, eux, ils vont donner une nourriture terrestre pour les accrocher encore à la terre. Et c'est exactement ce qui se passe dans la majorité de vos églises. Voyez ? Et quel temps et quel message ? Vous ne pouvez pas donner, n'est-ce pas, du riz à un bébé de 3 mois. Donc, à chaque âge de l'enfant, il y a une alimentation, mes amis, qui est adaptée, qui lui est propre. Si c'est l'âge du lait, il faut donner du lait. Si c'est l'âge des peaux, il faut donner des peaux. Voyez, frère, parce que l'âge est, n'est-ce pas, et la nourriture doit être administrée aux gens en fonction du temps, de l'évolution des choses. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc, frères, sœurs, les enfants d'Issacar maîtrisaient le temps, discernaient, avaient le discernement de temps. Or, le mot Issacar signifie « il donnera un salaire ». Ça veut dire quoi ? Il, là, c'est qui ? C'est Yahweh. Yahweh donnera un salaire. Or, nous savons que le salaire est la conséquence d'un travail. Et le résultat d'un travail. Vous ne pouvez pas prétendre, n'est-ce pas, chercher à avoir un salaire si vous n'avez pas travaillé. Alors, les enfants d'Issacar connaissaient le temps, discernaient le temps parce qu'ils s'attendaient à un salaire. C'est pour cela. Bien sûr, quand on travaille dans une société, imaginez, frère, vous travaillez, par exemple, du 1er au 31. Eh bien, vous allez devoir à chaque fois regarder votre calendrier. Vous allez regarder souvent 2 choses. La première, c'est votre montre. La deuxième, c'est le calendrier, c'est-à-dire le temps. Ces 2 choses sont liées au temps, ont un rapport avec le temps. Le calendrier vous dit quel jour il est, quelle semaine, quel mois. Votre montre vous dit quelle seconde, quelle minute, quel temps, quelle heure il est. Voyez, donc, vous regarderez souvent, si vous travaillez, ces 2 choses. Et remarquez, si vous travaillez, par exemple, un mercredi, le matin, quand vous vous réveillez, par exemple, à 6 heures du matin, la première chose que vous faites, si vous êtes chrétien, c'est la prière, bien sûr, mais en même temps, vous allez regarder votre montre. Quelle heure il est. Et pendant combien de temps vous allez devoir prier, parce que vous allez gérer votre prière aussi par rapport au temps qui vous est imparti. Et ensuite, vous allez courir pour prendre votre transport, votre taxi, votre train, votre bus, votre métro, votre avion, et aller au travail. Et quand vous arrivez au travail, vous regardez également l'heure à laquelle vous commencez. Et tout au long de la journée, à midi par exemple, vous allez regarder la montre pour faire une pause déjeuner, tout ça. Et ensuite, le soir, pareil. Vous regardez votre montre, et bien là, je fais par exemple mes 7 heures, mes 8 heures, je dois m'arrêter là, voyez, parce que c'est la fin, et vous rentrez chez vous, et vous continuez également à regarder la montre par rapport au transport que vous allez prendre sur le retour, le soir, par rapport à l'heure à laquelle vous allez devoir manger, vous coucher, tout est, n'est-ce pas, lié au temps. Eh bien, imaginez, à la fin du mois, maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cette fois-ci regarder à votre calendrier. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Eh bien, si c'est le jour, si c'est le temps du salaire, si c'est le moment du salaire, eh bien, vous allez commencer à, bien sûr, à vous réjouir.
parce que vous avez travaillé et vous vous attendez à un salaire. Donc, un travailleur est celui qui est, n'est-ce pas, qui connaît le temps. Un travailleur, un ouvrier est celui qui maîtrise le temps parce qu'il s'attend à un salaire. C'est pour cela que les fils d'Issacar, n'est-ce pas, dont le nom signifie « Yahweh donnera un salaire », ils maîtrisaient le temps parce qu'ils savaient que Dieu allait les rémunérer. Et ils avertissaient les autres tribus. Et regardez ce que Yahweh lui-même dit par rapport au salaire. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 40. Nous avons quelqu'un en ligne tout à l'heure, donc je crois que beaucoup sont touchés par cette vision. Et voilà, donc on va prendre la personne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je suis en ligne. Je vous appelle de Bruxelles. En fait, c'était juste pour rebondir sur votre vision, parce qu'il y a de cela un mois, le Seigneur m'a aussi donné une vision sur la fin de temps. En fait, je vais être très court. J'étais chez moi, dans mon appartement, et je faisais le ménage. Et il y avait un réveil, un petit réveil noir avec des chiffres en rouge. Et il était marqué 1h20. Et en fait, le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'il me restait encore 1h20 avant que le Seigneur revienne. Alors, je faisais le ménage dans mon appartement. Et puis, le temps s'est écroulé. Et puis, je regardais encore le réveil. Il ne me restait que 20 minutes. Et puis, c'est là que je dis à mon frère et à ma sœur de se dépêcher d'aller dehors pour prier parce que le Seigneur arrivait. Et ils ont refusé. Ils ont dit non, on va rester à l'intérieur. Je leur dis, c'est pas grave, moi, je vais sortir. Et là, je suis sortie. Je croisais une de mes sœurs avec ses enfants. Je leur ai dit, venez avec moi, le Seigneur arrive. Et là, on sort dehors, il faisait jour en fait. Et je levais mes yeux vers le ciel. Et c'est là que j'ai vu, il y avait un nuage de feu qui commençait à couvrir le ciel. Alors là, je dis à mes sœurs et à ses enfants, je dis, regardez, c'est le Seigneur, il arrive. Ils ont eu peur. Et je leur ai dit, il ne faut pas avoir peur. Et là, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que le temps était vraiment proche et qu'on devait vraiment se préparer. Donc, c'est juste pour rebondir à ce que vous venez de dire. C'est vraiment vrai. On doit vraiment être prêt parce que le Seigneur arrive bientôt. Que Dieu soit béni. Soyez fortifiés. Merci. Au revoir. Donc, nous sommes dans Ésaïe 40:10. Voici, Adonai Yahweh vient avec puissance et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Alors, remarquez bien ici, quand vous lisez ce passage comme ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous échapper. Mais regardez bien que le mot salaire revient deux fois. Parce que salaire et rétribution, c'est la même chose en hébreu, en fait. Et vous constaterez que dans les écritures hébraïques, donc dans la Bible, souvent Dieu parle deux fois, de suite, pour parler de la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il nous a créés avec deux oreilles, pour bien comprendre les choses. Il nous a créés, n'est-ce pas, avec deux yeux pour bien voir, voyez. Donc, à chaque fois, il y a la notion de père, hein, donc voilà, deux choses. C'est la lettre bet, voilà, bet. Donc, deux à chaque fois. Il y a eu deux, mais, Adam, le premier terrestre et le second céleste. Il y a eu deux Jérusalem, une terrestre et une céleste, voyez. Et donc, à chaque fois, Dieu a fait les choses comme ça. Et notamment dans les Écritures, dans les Évangiles, vous remarquerez que Yeshua, le Messie, disait souvent « en vérité, en vérité ». Il disait « en vérité » une fois et deux fois encore « en vérité ». Parce que c'est comme ça, c'est très, très… c'est Dieu, c'est le langage de Dieu. Dieu parle comme ça, n'est-ce pas ? Il est dit également dans Job 33, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, à chaque fois, il y a cette notion-là de double. Donc, Dieu parle doublement à chaque fois sur le même sujet pour que l'on comprenne bien comme il faut les choses. Donc, ici, n'est-ce pas, Ésaïe nous apprend que Yahweh, Adonai, n'est-ce pas, vient. Et c'est Yeshua qui vient. Et c'est lui, Adonai. C'est lui, Yahweh. Et on nous dit qu'il vient avec un salaire. Donc, Yeshua que nous attendons vient pour nous récompenser aussi, nous, chrétiens. Donc, raison pour laquelle nous devons, comme des ouvriers, parce que nous sommes ouvriers, Paul le dit. Nous sommes les ouvriers. Il nous a embauchés dans son œuvre, le Seigneur. Vous voyez la parabole, vous connaissez la parabole des ouvriers ? Il nous a, n'est-ce pas, choisis, il nous a élus, il nous a établis dans son champ afin que nous travaillions, n'est-ce pas ? Et il vient et il nous dit à deux reprises qu'il vient avec un salaire. Raison pour laquelle nous devons connaître le temps
aussi, frères et sœurs. C'est important. Et regardez dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, le verset 11. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Voyez ? Donc c'est la même chose. Il vient avec un salaire, il vient nous récompenser, nous payer. C'est comme un patron d'une entreprise qui, mes amis, à la fin du mois, parce que ses salariés, ses ouvriers connaissent le calendrier, connaissent l'horloge, le temps, eh bien, s'aligne devant lui à la fin du mois pour avoir leur salaire. Et le patron, n'est-ce pas, et l'employeur vient avec des sacs remplis d'argent pour, n'est-ce pas, rémunérer ses ouvriers. Eh bien, le retour de Yeshua que nous attendons tant depuis des années, mes amis, depuis 2000 ans, est plus que jamais, mes amis, proche, plus que jamais, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses qui se passent actuellement au sein des nations qui nous confirment bel et bien que nous sommes dans ce temps-là. Et surtout, par-dessus tout, le Seigneur donne de plus en plus de signes, de plus en plus de visions. Il est dit clairement dans les Écritures que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, ses, n'est-ce pas, secrets. Donc, on voit que nous sommes justement cette génération-là qui verra le retour du maître, du Mashiach, qui vient nous récompenser, frères et sœurs. Et ici, comme on l'a vu, à deux reprises, le Seigneur parle encore du salaire, frères et sœurs, le salaire, les rétributions. Voilà, et Paul, dans 1 Corinthiens 3, nous parle des récompenses. Vous voyez, donc, le retour du Mashiach, c'est aussi pour récompenser ses ouvriers, ses ouvrières, ses serviteurs, ses servantes qui peinent, qui souffrent, qui prennent position pour la vérité, qui sont traités de tout le nom, qui sont rejetés, qui sont lapidés, hein, mes amis, tant physiquement que verbalement. Et ce sont ces hommes et ces femmes, mes amis, ces ouvriers qui doivent connaître justement le temps comme les enfants d'Issacar, hein, n'est-ce pas? Ils connaissaient le temps et on nous dit que ils maîtrisaient le temps pour savoir ce que Israël devait faire. Vous ne pouvez rien faire si vous ne connaissez pas le temps. Si vous ne savez pas quel jour de la semaine nous sommes, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes frappé d'amnésie. Voyez? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises sont amnésiques. Ils ne savent pas dans quel temps nous sommes. C'est pour cela qu'ils font n'importe quoi. C'est la distraction. Ils ne comprennent pas que les temps sont mauvais, qu'il est plus que jamais, mes amis, urgent de nous préparer comme les vierges, mes amis, qui s'étaient réveillées parce qu'à minuit, quelqu'un est venu crier. Or, nous sommes dans ce temps-là où il faut des cris. Ce n'est pas un temps, mes amis, il faut caresser les gens. C'est le temps des cris. Ce n'est plus le temps de chercher les églises. C'est fini, ça. Ce n'est plus le temps de chercher les pasteurs. C'est fini. Ce n'est pas le temps d'enseigner sur la dîme. Donner. Ce n'est pas ça, mes amis. Ça, c'est Moïse. C'est fini, ça. Ce n'est pas le temps de prêcher la prospérité. C'est fini. Ce n'est pas le temps de chercher les fédérations d'église. Ce n'est plus ce temps-là. C'est fini. Ça, là, c'est la distraction. Voyez ? Ce n'est pas le temps, mes amis, de chercher à être sous la couverture d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Ça, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le temps d'aller faire des photos avec des prophètes, des nations, pour paraître à leur côté, pour être vu. Ce n'est pas ce temps-là. Ça, c'est la distraction. Vous voyez ? Donc, mes amis, ce n'est pas ce temps. Le temps est court. Il faut le discernement du temps. Il faut connaître le temps, frères et sœurs, mes amis. Est-ce que vous savez que Jacob, quand il va bénir ses enfants, hein, dans Genèse 49, regardez ce qu'il dit justement sur Issachar, hein, cette tribu qui avait la connaissance du temps. Regardez bien, frères et sœurs, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 49, verset 14, Jacob bénit ses enfants et il parle d'Issachar ici. Il dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Regarde le verset 15. Une fois que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Voilà. Et ce qui m'intéresse ici, c'est voir Rahab en hébreu. Raha. Voir Raha, qui veut dire aussi, c'est discerner, comprendre. Donc en fait, si Issachar a eu la faculté, n'est-ce pas, de discerner le temps, c'est parce que Jacob, qui était prophète, n'est-ce pas, va
lui a transmis cette grâce-là, l'a béni, parce que Jacob a compris que cet enfant-là, Issachar, avait les yeux prophétiques, avait le discernement de la part de Yahweh. Et c'est pour cela qu'il le dit, il voit. Voyez, c'est pratiquement le seul enfant de Jacob, hein, où il est question ici de la compréhension des choses spirituelles. Il lui a dit clairement, Jacob lui dit clairement, il voit, il discerne, il comprend, il saisit. Voyez, et c'est lui qui a été établi sur Israël pour, n'est-ce pas, comme une tribu des météorologues, comme une tribu qui maîtrisait la météo pour avertir les autres. Attention, aujourd'hui il y a de l'orage qui arrive. Attention, aujourd'hui il ne va pas faire beau. Attention, aujourd'hui il va pleuvoir. Demain il fera beau. Et en fonction de ces prédictions, eh ben, les 11 tribus, mes amis, ben, s'organiser, voilà, s'adapter. Voilà. Donc beaucoup de gens, toutes les tribus, allaient consulter les enfants d'Issachar à cause de leur, mes amis, leur grâce, à cause du fait qu'ils maîtrisaient le temps. Et rappelez-vous bien que les Juifs, à l'époque surtout, étaient composés essentiellement, donc en Israël bien sûr, essentiellement d'agriculteurs. Voilà. L'agriculture en Israël à l'époque était, mes amis, la source principale de biens, d'argent, de ressources, n'est-ce pas? Et alors, ils avaient besoin justement de connaître le temps. Vous savez pourquoi? Parce que en tant qu'agriculteurs, ils avaient besoin de la pluie. Et il y avait deux saisons principales de la pluie, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Donc la pluie du printemps et de l'automne. Voyez? Et alors, il y a une pluie, donc la pluie du printemps qui arrosait la terre qui était, mes amis, complètement, qui craquait, qui était complètement séchée, hein, à cause du soleil, à cause du soleil tout simplement. Et cette pluie venait préparer, n'est-ce pas, le terrain pour la moisson. Il y en a une autre qui préparait, mes amis, le terrain pour recevoir la semence. Voyez. Et voilà les deux pluies essentielles, la pluie de la première et de l'arrière-saison, dont il est question dans les Écritures, dans Joël, dans Zacharie notamment, dans Jérémie 5, tout ça. Et voilà pourquoi les agriculteurs, les Hébreux, allaient voir les enfants d'Issachar pour connaître le temps. Est-ce qu'il va pleuvoir? Comment allons-nous nous organiser? Tout ça. Et eux, ils regardaient le ciel. Ils le regardaient pas par la sorcellerie, n'est-ce pas? Mais selon l'Esprit de Dieu, ils donnaient des bons conseils aux autres tribus. Discerner le temps dans lequel nous sommes, mes amis, est capital. Voilà. Donc maintenant, et regardez ce que Paul nous dit. Nous avons d'autres personnes en ligne. On va prendre la personne dans quelques minutes. Dans Romains chapitre, justement, 11, verset 13. Romains chapitre 11, verset... voilà. Non, pardon, Romains 13. Romains 13, le verset 11, hein, au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps? Vous savez en quel temps nous sommes. Paul connaissait le temps. Paul, comme les enfants d'Issachar, parce qu'il avait l'esprit de discernement, le Saint-Esprit, il connaissait le temps. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, comme les 10 vierges. Paul était comme quelqu'un qui est venu à minuit, n'est-ce pas? À une époque où il y avait la confusion, Dieu l'a suscité pour crier, n'est-ce pas? Parce que les Hébreux dormaient et Dieu l'a suscité. Et Paul a dit, vous savez en quel temps nous sommes? Et si vous regardez bien le temps de Paul à l'époque, quel était ce temps-là? C'était le temps où César était considéré comme Dieu, où Rome était considéré comme, l'Empire romain était considéré comme le plus grand royaume, où il y avait tellement d'idolâtrie. Ils évoluaient dans ça, parce que là, il parle aux Romains, qui avaient plusieurs divinités. Et l'une d'elles, c'était l'empereur romain. Et Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes? C'est le temps de la confusion. C'est le temps de minuit. C'est le moment de vous réveiller. Vous voyez, à minuit, le sommeil est tellement profond que pour se réveiller, si on te touche seulement comme ça, tu ne vas pas te réveiller. Il faut qu'on crie, hein, à tes oreilles. Voilà.
Il faut qu'on t'approche, qu'on crie à tes oreilles. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, lève-toi. C'est comme ça qu'on peut se réveiller à minuit. Pourquoi ? Parce que le temps est à l'apostasie. Le temps est à la confusion. Et Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes ? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le mot salut ici, bien sûr, il est question de Yeshua. C'est comme Paul disait, comme dans Matthieu 25, réveillez-vous car l'époux est là. C'est ça en fait le message. Voyez ? Il dit le salut est plus proche. Or, le nom de Jésus signifie quoi ? Yahweh est salut. C'est ça en fait. Et Paul annonce le retour de Christ. Paul annonce le retour de Jésus. Donc tout prophète, tout apôtre, toute église qui ne parle pas aujourd'hui du retour de Jésus-Christ, vous devez quitter ces gens-là. Une église qui ne parle pas du retour de Jésus, c'est le diable qui est là-dedans, quittez-la. Un pasteur qui ne parle pas du retour de Jésus, quittez-le. C'est votre salut dont il est question. C'est de votre salut dont il est question. C'est de votre éternité qui est en jeu. C'est votre éternité qui est en jeu. Ceux qui vous parlent des concerts payants, des photos sur leurs affiches, sur leurs CD, ceux qui vous parlent de leurs associations avec d'autres pasteurs, quittez-les, frères et sœurs. C'est la confusion aujourd'hui, frères et sœurs. Ce n'est plus le temps de ces choses-là parce qu'on a très peu de temps aujourd'hui. Alors, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, nous avons cru. Quand on regarde bien, frères et sœurs, l'Église a été fondée il y a 2000 ans de cela. Donc, honnêtement, frères et sœurs, nous sommes dans le temps du retour de Yeshua. La nuit est avancée. Vous voyez, Paul parle ici. Hein? La nuit est avancée. Donc, l'horloge, hein, l'aiguille principale arrive sur minuit. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour ? Le jour de Yahweh. Le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur. Le jour est proche. Alors, maintenant, vous voyez le message ? C'est ça le message, frère. C'est ça le message. C'est quoi ? C'est le réveil. Réveillez-vous. C'est pour cela que nous parlons du réveil de l'Église, des Églises. Vous voyez, il y a le réveil des faux prophètes, il y a l'apostasie, oui, mais il y a aussi le réveil des chrétiens. Si Paul parle ici aux chrétiens, s'il leur demande de se réveiller, c'est que le réveil concerne aussi les chrétiens. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que le réveil ne concerne pas les chrétiens. La Bible dit ici, il nous faut le réveil, un retour total au Seigneur en vue des noces, frères et sœurs. Et le message continue, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Vous voyez, donc les œuvres de ténèbres, ce qui se font dans les coulisses, frères et sœurs, l'hypocrisie, le mensonge, tout ça, les adultères, tout ça, la cupidité, toutes ces œuvres de ténèbres, pour lui, dépouillons-nous, hein, dépouillons-nous de ces œuvres-là. Hein, donc, Paul s'inclut. Hein, donc, vous savez qu'il y a la réforme est un retour perpétuel à Dieu. C'est une transformation progressive, vous voyez. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné, tous les chrétiens sont concernés par le réveil et par la réforme. C'est-à-dire le fait d'être restauré, redressé, n'est-ce pas ? Retrouver le fondement pur, véritable. Et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà le message qu'il nous faut entendre aujourd'hui. La repentance, le retour à Dieu, la conversion véritable, pas forcément des païens, mais d'abord des églises, d'abord des pasteurs, des chrétiens, le retour à cet évangile. Parce que nous savons en quel temps nous sommes. Voilà, en quel temps nous sommes. Voilà pourquoi il faut ce message, frères et sœurs. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, Matthieu 26, nous lisons le verset 40, et voilà, verset 44. Dieu est bon, Dieu nous enseigne sa parole. Non, pardon, Matthieu 24, verset 45. Voilà, Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous voyez, au temps convenable. Donc, ceux qui sont établis sur les frères et sœurs, ceux qui ont la charge du troupeau, doivent connaître le temps. Et les enfants d'Issacar, on nous dit qu'il y avait des chefs, hein, c'était des chefs qui connaissaient le temps. Parce qu'un aveugle, qui conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou.
Voilà pourquoi il est plus que nécessaire, aussi plus qu'important, que les conducteurs du troupeau connaissent le temps et le message qui est approprié au temps dans lequel nous sommes. Voilà, frères et sœurs, c'est important. Et regardez, on nous dit qu'au verset 37, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc maintenant, nous avons les éléments pour comprendre le temps dans lequel nous sommes. Dans Matthieu 24, 37, on nous dit carrément que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement. Donc Yeshua nous donne des précisions par rapport au temps qui vont précéder son retour. Et ce qui arrive au temps de Noé, c'est quoi? C'est l'apostasie. Ce qui arrive au temps de Noé, c'est quoi? Si vous lisez Genèse 18, 19, eh bien, c'est l'homosexualité, le lesbianisme, le péché, l'orgueil, le mensonge, la cupidité. C'était, mes amis, ben, du n'importe quoi. Lisez bien les Écritures. Moi, je ne suis pour rien. Je ne fais que relire ce qui est écrit. Voilà. Et les hommes bâtissaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, tout ça. Et nous sommes dans une génération où il y a des bâtisseurs, d'où la franc-maçonnerie. Les gens bâtissent de plus en plus des tours, des villes, tout ça, de plus en plus. Vous savez, le boom immobilier, mes amis, dans les nations, on le voit à Dubaï, ici et là. Donc, ce temps-là, on y est dans ce temps-là, frères et sœurs. C'est Genèse 11, bâtissons-nous, faisons-nous un nom, d'où les dénominations, qui c'est qui existe aujourd'hui, voyez. Donc, nous sommes dans ce temps-là où les hommes bâtissent de plus en plus des immeubles, de plus en plus hauts, des gratte-ciels, tout ça, pour aller de plus en plus vers le ciel. C'est Genèse 11, on est dans ce temps-là. Vous ne voyez pas, frères et sœurs, on est dans ce temps-là où il y a plein d'idoles, comme le foot, tout ça qui devient une idole, carrément. Voilà, ça brasse des milliards. Voilà, on est dans ce temps-là où l'argent est devenu un dieu. Depuis, bien sûr, ça a toujours été le cas, mais ce dieu, argent, est de plus en plus adoré. Vous voyez, le dieu Mammon, on est dans ce temps-là, frères et sœurs. Le temps de la rébellion des gens qui sont formés ici et là, qui sont le temps des fils de Corée, d'Abiram, des rebelles, de Dathan, qui ont été formés par le Seigneur, formés ici et là, et qui sont devenus rebelles, comme Paul le dit, ils seront ingrats. Ils seront, mes amis, rebelles à leurs parents. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Timothée 3. On nous dit que les temps seront difficiles, mes amis, Paul le dit. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. On le voit aujourd'hui. Beaucoup, le plaisir est rentré dans nos églises. Ils aiment plus la musique, le gospel que Dieu. Vous voyez, nous sommes dans ce temps-là, frères et sœurs. Vous avez vu, trouvez-moi un chanteur chrétien qui donne gratuitement ses albums, ses CD. Trouvez-moi ce chanteur-là, frère. Il y en a très peu. Trouvez-moi, mes amis, des prédicateurs qui offrent gratuitement leurs livres, leurs ouvrages qu'ils écrivent. C'est rare. Trouvez-moi encore les églises qui offrent gratuitement des Bibles pour toucher les âmes dehors. C'est rare, mes amis. Nous sommes dans ce temps où il y a plus de boutiques dans les églises qu'autre chose. Nous sommes dans ce temps de l'apostasie. Voilà, mes amis, la parole le dit. Voilà, donc c'est la confusion sur le plan spirituel, c'est la confusion, c'est le marché carrément qui s'installe dans les églises, c'est le commerce, c'est le dieu Mercure, tout est monnayable, on vend de tout, comme dans Apocalypse 18, voilà, c'est les marchands de Babylone, voilà, ils vendent même des corps et des âmes d'hommes, voyez, c'est ce que la parole nous dit, ils s'enrichissent, c'est l'église de Laodicée. Cette église qui est la septième église, celle qui va précéder le retour du Seigneur. L'ange de l'église de Laodicée dit quoi? Je suis riche, je me suis enrichi. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. Allez sur les sites de chrétiens, soi-disant, des pasteurs, des sites de chrétiens. Allez voir, vous allez voir, il y a l'onglet, n'est-ce pas, un bouton boutique. Vous cliquez dessus, on vous balade dans la boutique. On vous propose des choses comme dans Matthieu, comme dans Jean. Comme dans le temple de Jérusalem, où il y avait des changeurs de monnaie, des voleurs, des changeurs, des vendeurs de pigeons, tout ça, des bœufs. C'est la même chose. Aujourd'hui, si vous avez le malheur d'aller dans ces églises, si vous avez un peu d'argent, vous allez en sortir complètement dépouillé, appauvri. Voilà l'état de nos églises d'aujourd'hui. Voilà. Regardez les belles photos que ces pasteurs mettent, leurs posters. Regardez bien, frère, ce sont des stars. Ce sont des stars qui sauvent, eux ou Jésus. Pourquoi ne nous présente-t-il pas le Seigneur Yeshua qui sauve? Pourquoi se présente-t-il comme des grands sauveurs, avec leurs femmes à côté, bien habillées, comme des véritables Jézabel, frères et sœurs, qui gèrent les entreprises comme des entreprises familiales, mes amis, papa et maman, aussi bien chez les Africains que chez les Européens? C'est le même esprit qui opère aujourd'hui, frères et sœurs. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Vous savez, ma tête est réclamée à cause de ce message. Je vais traiter de tout le nom ici et là. Mais ce n'est pas grave, je continuerai à parler de toute façon, parce que je n'ai pas peur des hommes. Voilà. Parce que les temps sont mauvais, il faut crier, il faut crier. Vous allez me dire, mais pourquoi il crie comme ça? Frère, la Bible dit, tout le monde doit crier, les vrais chrétiens doivent crier parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps.
Ne cherchez pas le salut auprès des pasteurs, auprès des prophètes, auprès des églises. Même moi qui vous parle, ne me suivez pas, suivez la parole. Frères et sœurs, c'est ça le message. Suivez Jésus-Christ de Nazareth. Priez avec vos femmes, vos enfants, comme Josué. Il disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons Yahweh. C'est ça qu'il faut faire maintenant aujourd'hui. Créer des églises de maison chez vous, dans les maisons chez vous. Créer des réunions familiales chez vous avec vos frères et sœurs, cousins, cousines, tout ça. Tantes, oncles, tout ça. Organisez-vous parce que Yeshua est à la porte, frères et sœurs. On n'a plus de temps. Il est temps, frères et sœurs, de se réveiller de ce sommeil dans lequel nous sommes plongés depuis des années, frères et sœurs. C'est fini ces histoires, mes amis, de fédération d'église pour les vrais chrétiens. Sortez ces Babylones. Tout ça, là, c'est la compromission. C'est l'esprit d'antéchrist qui opère là-dedans. Il n'y a rien de bon, mes amis. Ces hommes en costume et cravate, matin, midi, soir. Vous avez vu Jésus-Christ en costume et cravate, en soutane, tout ça, avec une tiare, avec une toge, tout ça. Tout ça, là, c'est la religion, mes amis, c'est Babylone. Tout ça, c'est l'esprit de Jézabel qui opère, mes amis. C'est le mensonge, c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi les vrais prophètes, vous savez, demain, on va vous parler de vrais ministères prophétiques. Les signes qui caractérisent un prophète. Vous allez voir, on va faire des enseignements pour que vos yeux s'ouvrent, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Nous ne sommes pas là pour vous dire, quittez vos églises et venez ici. Même lors des réunions de réveil qu'on organise ici, frères, dans 5 mois, 4 mois, 5 mois, d'ici décembre, on arrête tout ça pour passer à autre chose parce qu'il faut crier. Il faut crier, interpeller les gens. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, il est 23h57 dans l'horloge de Dieu, dans l'horloge divine, frère. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, fini, le temps est fini, frère. J'ai vu le Seigneur descendre avec des anges ce matin, venir prendre son peuple, frères et sœurs. Il nous faut nous sanctifier, nous préparer. Fermez vos yeux, vos oreilles aux critiques, à la distraction, frère. Il est temps de prendre chacun son manteau spirituel, mes amis, de prendre son armure du combattant et de défendre la sainte doctrine, frères et sœurs, d'aller de l'avant. Il est temps de se réveiller, frère. Il est dit carrément, mes amis, que les temps de Noé et Lot vont revenir. Lisez bien Genèse 6, lisez bien Genèse 18 et 19. Vous allez voir ce qui s'est passé à cette époque-là. La terre était corrompue, toute la terre était corrompue. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, frère. Des pasteurs qui avaient commencé par prêcher le message se sont égarés pour devenir amis avec les Béni-Hinn, tous ces marchands du miracle, hein, des guérisseurs des miracles qui vendent des pins à 500 euros, tout ça là, qui vendent leurs tasses avec leur effigie, tout ça aux États-Unis, tout ça, ce sont des commerçants. Voilà comment, mes amis, ces commerçants deviennent de plus en plus un. Ils s'associent, c'est ça Babylone, ils s'associent. Les pires ennemis d'hier deviennent des vrais amis, c'est ça Genèse 11, parce qu'ils ont le même langage, c'est le langage de l'argent. Faisons-nous un nom. Ils veulent se faire un nom ici et là en se servant de la Bible. Voilà. On n'est pas là pour chercher un nom. Si moi je voulais me faire un nom, frère, j'allais demander aux gens de venir tout le temps avec nous. On est là, on envoie les gens vers le Seigneur. Allez vers Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est lui le véritable pasteur. C'est ça le message, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Il est temps de se préparer à ces choses, frère. Il est temps. Il est temps, frères et sœurs. Et il est dit, si, mes amis, et je vous le dis en vérité au verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est terrible, frère. C'est terrible. Les temps sont mauvais. On vous le dit, on vous le redit. Les temps sont mauvais. Soyons comme les enfants d'Issacar. Maîtrisons le temps. Regardez Yeshua, notre maître. Il part aux noces de Cana, dans Jean 2. Marie, sa mère, lui dit, ils n'ont plus de vin. Yeshua a dit quoi? Femme, qu'est-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Regardez dans Jean 7, mes amis. Et ses frères lui disent, monte à Jérusalem. Tout ça, le Seigneur leur dit quoi? Votre temps est toujours là, mon temps n'est pas encore venu. Voyez, frères et sœurs, donc maintenant, là, mes amis, aujourd'hui, là, c'est le temps. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps de se lever. C'est le temps, mes amis, de se mobiliser tous les chrétiens du monde entier. C'est le temps de se mobiliser tous ensemble. Tandis que Babylone se mobilise là-bas, et tandis qu'il y a des associations, des démons, des sorciers, des magiciens, des faux ministères, des faux chrétiens qui deviennent de plus en plus un dans le péché, dans le mensonge, les vrais enfants de Dieu doivent également se lever, mes amis, soutenir leurs frères et sœurs de la prière, par les conseils, les suggestions, hein, pour aller de l'avant, annoncer le retour de ce maître glorieux qui arrive. Et regardez, frère, dans Matthieu chapitre 16, voyez,
Matthieu chapitre 16, on va faire le point, s'arrêter là, et ensuite vous laisser peut-être appeler pour témoigner. Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » C'est terrible, hein? Discerner les signes des temps. C'est ça le message, en fait, le thème. Discerner, n'est-ce pas, hein, les signes de temps. Eh bien voilà, les pharisiens étaient des chefs. C'était des enseignants. Ils avaient la charge du troupeau. Il y avait des gens qui les suivaient. Ils avaient des disciples. Mais ils étaient aveugles. Le Seigneur dit quoi? Dans Matthieu 23, un aveugle qui suit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Donc malgré le fait qu'ils étaient, mes amis, chefs, conducteurs, enseignants, ils étaient aveugles. Ils maîtrisaient la météo, mais ils ne connaissaient pas les temps prophétiques, les temps de Dieu. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, frère, dans nos églises, pour moi, frère, quand je compare les églises d'aujourd'hui à la Bible, les pasteurs d'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, les vrais pasteurs sont cachés. Quand je compare, mes amis, ces églises d'aujourd'hui, je me rends compte que les vrais chrétiens ne sont pas dans ces bâtiments-là. Il y a seulement quelques-uns qui fréquentent encore ces bâtiments parce qu'ils ont des doutes, mais Dieu va les sortir complètement, mes amis. Et les vrais chrétiens, frères et sœurs, cherchent Dieu. Et quand on voit l'apostasie, quand on voit la manière dont, mes amis, l'on vend l'évangile, la manière dont on exige la dîme aux chrétiens, la manière dont, mes amis, ces sites complètement paganisés, païens, qui se servent de la Bible, où il y a toutes sortes de pasteurs, voleurs, impudiques, et tout ce que vous voulez, mes amis, pédophiles, ils sont tous là-dedans, les uns à côté des autres, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas, frères et sœurs, que quand vous regardez ces photos, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Est-ce que vous pouvez vous représenter, mes amis, Paul, à côté de mes amis, même Paul, à un moment donné, avec Barnabas, ils se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Là où il y a la vérité, il y a l'épée, il y a la séparation, il y a la division, frère. La division selon Dieu, la séparation, comme Lot et Abraham. Voilà. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais aujourd'hui, mes amis, regardez bien, tous ces pasteurs, ils sont tous ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont le même langage. Voilà. On en parlera, mes amis, demain. On en parlera après-demain. On en parlera cette semaine, frère. C'est toute une, mes amis, voilà, semaine d'enseignement, de partage sur les temps. Parce que le Seigneur veut vraiment qu'on en parle au nom de Yeshua. Voyez? Maintenant, quand on regarde dans les églises, on voit ces choses-là, on comprend que ben, le Seigneur n'est plus loin. Parce que c'est l'église de la Odyssée, c'est la septième. Nous avons, mes amis, fait toutes les églises, pratiquement les sept églises, et on est arrivé à la septième, l'église de la Odyssée, dont il est question dans Apocalypse 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Et là, on nous dit que le Seigneur est hors de cette église. Il frappe à la porte. Vous voyez? Et quand on regarde dans le monde, qu'est-ce qu'on voit? Regardez actuellement les conflits qu'il y a en Israël, entre la Palestine et Israël. Mes amis, on voit bien que les temps sont mauvais. Et ce conflit peut, mes amis, s'embraser, hein, toucher les nations d'alentour. Comme cela est écrit dans la parole, ça va arriver. Mes amis, quand on regarde, mes amis, ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, donc le monde, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, avec cet avion qu'on a abattu, frère, on voit les tensions qui montent. Hein, donc voilà, le monde est sur une poudrière. Et à tout moment, ça peut exploser. Voilà, il y a des dynamites partout aujourd'hui, partout. Regardez, mes amis, suite au conflit israélo-palestinien, les manifestations qu'il y a ici en Occident, en Europe notamment, comment ça dégénère. Donc, pour vous montrer la tension qu'il y a entre les communautés. Donc, tout peut exploser. Plus personne n'arrive à maîtriser, mes amis, les tensions entre les communautés. Voyez donc, nous sommes sur une poudrière, la terre est sur une poudrière. Donc, on voit bien que sur le plan géopolitique, mes amis, il y a des conflits ici et là. Notre génération, mes amis, est la seule qui connaît autant de tensions. Qui sont là, qui sont palpables, voyez. Et sur le plan, mes amis, climatique, hein, on voit bien que eh ben, la Terre va mal avec tous ces changements climatiques. Regardez le dérèglement au niveau des saisons. Hein. Donc, quand c'est l'hiver, parfois il fait beau. Quand c'est l'été, il fait froid. Donc, tout est complètement mélangé. Et regardez bien, il fait de plus en plus chaud, de plus en plus froid, tout ça, parfois. Donc, il n'y a pratiquement plus de saisons. Voilà,
Donc, c'est carrément un dérèglement total. Voilà. Donc, et on regarde, mes amis, le nombre de tsunamis, d'inondations, de tremblements de terre. Il y a eu une croissance exponentielle, mes amis, de problèmes climatiques, de catastrophes climatiques. Regardez le nombre de, mes amis, d'ouragans qui frappent les nations. C'est terrible. Donc, et c'est terrible. Nous sommes vraiment à la veille du retour du Mashiach. Yeshua, le Mashiach. C'est, Dieu ne peut qu'intervenir, frère, parce que ça ne va pas. Le monde va exploser. Voilà pourquoi Dieu revient rapidement. Voilà. Et nous sommes convaincus que notre génération est celle, frère, je suis convaincu, et celle qui verra le Seigneur. Je suis convaincu, frère, au nom de Yeshua. C'est pour cela que je prie vraiment que le Seigneur nous garde en vie, qu'on voit tous ensemble son retour avec nos yeux et qu'on parte à cet enlèvement, frères et sœurs, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour les noces, pour le tribunal de Christ, pour recevoir nos dons, recevoir notre salaire, nos récompenses, et ensuite passer par les noces, frères et sœurs. On est là et on sent que l'antéchrist est là. On le voit, on le sent, on le sent. Vous avez vu le nombre de maladies qui frappent la terre? Il y a de plus en plus de cas de cancer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre alimentation est de plus en plus contaminée par des pesticides, par des produits chimiques, mes amis. Vous voyez les cas de problèmes d'AVC qui frappent les hommes. Voilà. C'est terrible. Même l'atmosphère, l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Ça provoque des maladies. Il y a beaucoup de cas de diabète, de cas de tension artérielle, de cas de problèmes d'hépatite, tout ça. C'est terrible. Les eaux sont polluées. Le monde est pollué, l'air est pollué. Voyez, regardez, mes amis, l'Allemagne est le premier pays européen à voter cette loi qui autorise, mes amis, la mise en place d'un troisième genre. Il y a le genre masculin qu'on a appris à l'école, genre féminin, l'homme et la femme. L'Allemagne a voté le troisième genre, c'est-à-dire on va dire aux enfants à l'école qu'ils sont ni filles ni garçons et qu'à l'âge de la majorité, ils auront le choix, n'est-ce pas, voilà. Ils auront la possibilité de choisir le sexe qu'ils veulent. L'Inde est aussi un des pays qui a voté cette loi. Et ça va se généraliser dans le monde entier, pour votre information. Nous sommes dans ce temps-là. Voilà, la pédophilie, frère, selon les Écritures, la pédophilie sera aussi, mes amis, tolérée. Voilà, donc nous sommes dans cette génération-là. 80% de l'économie mondiale, n'est-ce pas, sont détenus par 5% d'hommes. Il y a eu une crise, nous parle-t-on, la crise économique depuis qui frappe les nations depuis quelques années, mes amis, depuis 2008 précisément, qui a justifié la mise en place du nouvel ordre mondial le 2 avril 2000, mes amis, le 2 avril 2009. Et cette crise actuelle nous conduit à la mise en place du gouvernement mondial. Voilà pourquoi vous entendez des termes comme globalisation, mondialisation. Voyez, donc on en est là, frères et sœurs. On en est là. La statue de Nebuchadnezzar dans Daniel 2 est déjà reconstruite. On est dans cette période-là. L'Empire romain, mes amis, moderne, est reconstruit. Selon Apocalypse 13, on est dans ce temps-là. Voilà, on est dans ce temps-là. C'est le temps de la confusion. Les vrais prophètes ont les lapides. Ils sont traités de faux, d'antéchrist, d'impudiques, de voleurs, de menteurs. Les faux. Ben, ils sont acclamés ici et là parce qu'ils sont, mes amis, nombreux entre eux, comme les 400 prophètes de Baal. Voilà, et Michée était seul dans son coin. Voilà, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ne cherchez plus les églises, ne cherchez plus les pasteurs, ne cherchez plus les prophètes, les apôtres. Ne me cherchez pas. Cherchez à sauver votre âme, votre vie, votre esprit, vos familles, vos enfants, vos maris, vos femmes, vos tantines, vos tontons, tout ça. Cherchez à vous sauver de cette génération perverse et corrompue. Voilà, frères et sœurs. Voilà le message. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais réagir par rapport à la vision que vous avez eue. C'est la semaine dernière, dans mon songe, c'était un songe. Et dans le songe, je planais comme un oiseau. Et je rentrais dans des maisons où je disais aux gens, réveillez-vous, commencez à prier parce que le Seigneur arrive, Jésus revient bientôt. Je rentrais dans les chambres, n'importe quelle maison, je n'ouvrais pas
La porte s'ouvrait pas à clé. Moi, je poussais juste la porte et je rentrais à travers les murs et je disais aux gens, réveillez-vous, ne dormez pas. Et ceux qui dormaient, je les réveillais et je leur disais, réveillez-vous, levez-vous, commencez à prier parce que Jésus revient bientôt. Jésus arrive. Et c'est comme ça, au départ, j'étais allée chez ma maman d'abord. Lui annonçait ça et au fur et à mesure, je partais chez des gens que je connaissais pas et je leur disais, Jésus revient bientôt, réveillez-vous, commencez à prier. Et après, je me suis réveillée. Que Dieu soit béni, c'est le temps, voilà. As-tu quelque chose à dire un peu là? Nous sommes tous enfants de Dieu, mm-hmm. Nous devons vraiment nous réveiller. Mm-hmm. Si réellement nous aimons Dieu, nous devons nous réveiller. Parce que Jésus revient bientôt. Et si on ne fait pas attention, on va rester. Mm-hmm. Parce que la manière dont je vois dans les livres qui est écrit dans la Bible, Matthieu 25, qu'en pleine nuit, en plein minuit, mm-hmm. Donc ces minuits-là, c'est un signe annonciateur mm-hmm. que la nuit ne vient pas seulement pour venir. Mm-hmm. Quand la nuit arrive quelque part, c'est pour annoncer. Mm-hmm. Donc cette nuit-là nous annonce que Yeshua Mashiach, il revient bientôt. Mm-hmm. Donc l'apostasie, le péché, la rébellion, tout ce qui se passe. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, tous ces bazars que nous voyons, tous ces amalgames que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté nouvelle, ça nous annonce quelque chose, que Jésus est à la porte. Tous ces péchés que nous voyons, parce que vers les annonces, si nous descendons un peu vers les années 60, 70, 80, l'évangile n'était pas ainsi. Non, pas du tout. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le paroxysme. Le mal monte, ne fait que monter et ça ne s'arrête plus. Mm-hmm. Et les vrais enfants de Dieu, s'ils ne font pas attention aussi, eux aussi seront contaminés. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est ça l'évangile. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'évangile. Mm-hmm. L'évangile, quand on craint Dieu, l'évangile, quand on aime Dieu dans son cœur, mm-hmm. c'est ça l'évangile. Et laisser sa vie être conduite par le Seigneur lui-même. Mm-hmm. Les gens qui ne se laisseront pas conduits par le Seigneur, ils vont rester. Mm-hmm. Même si tu es conduit par un pasteur, et que ce pasteur-là soit un pasteur qui est conduit par Jésus. Et si ce pasteur n'est pas conduit par le Seigneur, les gens vont rester. Mm-hmm. Moi, ça me fait peur, ce genre d'évangile. Ça me fait très peur. Ça doit nous interpeller. Je t'ai dit. Je dois me réveiller. Je dois aussi contrôler ma vie. Bien sûr. Sinon... Et là, dans Ésaïe 60, verset 1er, justement, Dieu dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Yahweh se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Donc, bien sûr, il est question du retour de Yahweh, de Yeshua. Et on nous dit que voici l'obscurité couvre les peuples, les ténèbres couvrent la terre. Amen. Les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes dans Genèse 1. On revient dans Genèse 1. Amen. La terre était chaotique. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas de lumière. Il y avait le chaos. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est le chaos. Il n'y a plus de notion de famille. On enlève aux gens la notion de la famille, c'est-à-dire le père et la mère. On enlève ça et on met autre chose à la place. On renverse les règles établies. On renverse les fondements, n'est-ce pas, familiaux. On renverse les fondements naturels que Dieu a établis. Voyez. Et dans Psaume chapitre 11, verset 3, il est dit que si les fondements s'ébranlent, le juste que fera-t-il? Voilà. Donc on renverse ça. Donc du coup, les enfants sont complètement dérangés parce qu'ils sont déséquilibrés, parce qu'il y a un équilibre même naturel. Hein, le fait qu'il y ait un homme et une femme. Donc tout ça, tout est déréglé. Donc mes amis, nous sommes dans cette génération-là où le mal est appelé bien. Donc du coup, les enfants, ils ne savent plus discerner. Parce que pour eux, le mal, c'est ça qui est bien. Le bien, c'est ça qui est mal. Voilà, c'est pour cela que même dans nos églises, quand Dieu envoie des prophètes authentiques, des prophétesses authentiques, des gens qui prêchent, qui crient, on leur dit que ce sont eux les sorciers. Beaucoup de chrétiens ne savent même plus discerner les vrais défauts parce que ils n'ont pas de relation directe avec le Seigneur. Donc du coup, ils vont se laisser séduire à gauche, à droite. Et mais c'est ce temps-là justement, parce que le mot Babylone signifie mélange par la confusion. La confusion par le mélange par le pardon. Donc c'est pour cela qu'il y a cette confusion-là, parce que les gens sont mélangés, comme Daniel 2 le dit. Ils se mêleront les uns avec les autres. Ils se feront des alliances les uns avec les autres. C'est ça qui se passe actuellement, où des pasteurs font des alliances entre pasteurs. Ils se connaissent, ils savent qu'un tel n'est pas de Dieu. Un tel est dans le péché. Un tel est un voleur. Mais comme ils ont le même langage, l'argent, ils veulent se faire voir. Donc il faut quand même qu'ils les amassent. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne comprennent pas ces choses et ils se font avoir.
Donc, un pasteur qui vous dit, venez à mon séminaire. Un pasteur qui vous dit, donnez-moi votre salaire. Un pasteur qui vous dit, voilà, je vous vends mon livre. Je viens prêcher chez vous, j'amène mes livres. Je donne votre dîme, sinon vous serez maudit. Vous voyez, toutes ces choses doivent vous interpeller que les temps sont mauvais, frère. Il faut se réveiller. Yeshua n'est plus loin. Amen. Car ta lumière arrive. Nous dit ici. Ouais. Donc, Yeshua, la lumière, cette lumière-là ne peut pas, mes amis, avoir toute sa signification s'il n'y a pas les ténèbres. Donc, pour que la lumière qui est Dieu prenne toute sa signification, toute sa dimension, mes amis, prophétique, glorieuse, tout ça, il faut que les ténèbres soient là. Pourquoi avons-nous besoin de la lumière? Parce que les ténèbres sont là. Effectivement. Voyez? Ouais. Pourquoi avons-nous besoin du jour? Parce que la nuit est là. Voilà. Donc, si nous avons des ampoules dans nos maisons, c'est parce que la nuit, on ne verra rien. C'est pour cela que la nuit, n'est-ce pas, donne, je dirais, c'est la nuit aussi justifie la présence de la lumière. Voilà. Donc, si Yeshua doit revenir, c'est parce que les ténèbres sont là. C'est pour cela qu'avant qu'il ne revienne, les ténèbres devaient être là. Et c'est le cas aujourd'hui. Ténèbres égale confusion. Ténèbres égale démon, péché, Satan. Ténèbres égale faux chrétien. Ténèbres égale livré qui se mélange avec le blé. Ténèbres égale l'argent. Hein, l'enseignement sur l'argent. Donnez l'argent, vous serez béni. Payez la dîme, vous serez béni. Donnez l'offrande du prophète, l'offrande d'action de grâce. Le fait de vendre des CD, de faire des séminaires payants. Le fait de s'associer avec d'autres chantres ici et là pour faire des concerts payants, tout ça. Là. Faire des affiches, mettre des photos des chantres ici et là. Tout ça, là, c'est les ténèbres. C'est l'homme. L'homme qui veut être vu. C'est le monde. C'est tout ça, là, fait que Yeshua, mes amis, ne peut que venir parce que surtout. Les nations ont provoqué la colère de Yeshua, notre Amen. Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il revient. Amen. Alors, il faut se préparer. Une personne en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je m'appelle Émilie, j'appelle des États-Unis. D'accord. Allô. Bien, j'aimerais poser une question. Je voulais juste demander un petit conseil, parce que je vis dans une ville où il n'y a vraiment pratiquement pas vraiment la... l'évangile, vraiment, l'évangile vrai et prêché. Et hier, vraiment, je suis allée dans l'assemblée où on se réunit avec les frères et sœurs. Et le frère a prêché, puis, en tout cas, mon cœur était vraiment dans la tristesse. Je suis sortie de là et mon cœur était trop triste. J'ai toujours tendance à ne... Mon cœur a toujours tendance à ne pas venir s'assembler avec eux. Et chaque fois, je m'efforce de venir. Mais chaque fois que je viens... Je ne ressens pas vraiment la parole est prêchée comme il le faut. Et j'ai essayé de parler au frère, parce qu'on n'est pas vraiment pas plus de 20 personnes. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, en tout cas ces derniers temps, avec le temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, et je vois comme si tu prêches, mais c'est comme si tu... Non, le péché n'est pas vraiment, comment dire... excusez-moi. Parce que est-ce que tu peux plutôt poser ta question, s'il te plaît avec l'anglais, hein. Pardon? Est-ce que tu peux plutôt poser ta question? Yeah, je lui ai demandé une question, parce que je me sentais, je suis entre les deux, comme j'arrive pas vraiment à se lâcher. C'est comme si j'ai pris une habitude d'être là, pendant que mon cœur ne veut pas y aller. Ben, il faut pas y aller, c'est simple, c'est que Dieu ne veut pas. Donc, vous savez, la vie chrétienne est une vie d'abord personnelle avec Dieu. Voilà, donc il faut d'abord qu'il y ait la relation avec Dieu. C'est de cette relation-là que découlent toutes les grâces. Maintenant, avec cette relation que tu as avec le Seigneur, tu vas pouvoir maintenant développer une relation fraternelle. Mais il faut choisir, dans l'esprit bien sûr, les gens avec lesquels traîner. C'est ça être chrétien. Il ne faut pas subir leur présence. Oui, parce que j'essaie de leur dire ça. Et le frère en question me dit, si tu fais ça, tu choisis une mauvaise... J'ai choisi une mauvaise décision, pendant que moi, mon cœur ne se sent pas vraiment y aller. Tu es libre, ma sœur, tu es libre, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchie. Voilà, donc, ne vous laissez pas mettre sous le joug de l'esclavage. Ben voilà, donc, laisse-toi guider par le Seigneur, c'est simple. Ok, merci beaucoup. Voilà, tout ce qui n'est pas fait avec foi est péché. Nous dit la parole. Bon, voilà. Au revoir. Ok, au revoir. Les temps sont compliqués. Voilà, frères et sœurs, il faut se préparer. Voilà la vision que Dieu m'a donnée ce matin, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, pour ceux qui viennent d'arriver. Ce matin, en dormant, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé dans un endroit
J'étais entouré d'horloges, plein d'horloges. Il y en a une qui m'a attiré. Et hein, donc, je me suis retrouvé devant cette horloge. Et la grande aiguille était sur, n'est-ce pas, 55 d'abord. Il était minuit moins 5, c'est-à-dire 23h55. Ensuite, elle s'est mise sur le chiffre 57, le nombre 57. Et c'était minuit moins 3, 23h57. Et ensuite, j'ai vu des lumières descendre du ciel. J'ai vu des anges descendre d'abord. Ensuite, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ descendre pour nous prendre. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps, mes amis, à la distraction. Frères et sœurs, honnêtement, il faut se sanctifier, se préparer pour le retour du Mashiach. Et Satan sait qu'il a très peu de temps. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est à vous, c'est à nous de racheter le temps. Vous voyez, il y a deux temps, il y a plusieurs temps. Il y a le temps de Dieu, le temps où il doit, n'est-ce pas, arriver. Il y a aussi le temps par rapport à la mort. On ne connaît pas ce jour-là. C'est pour cela qu'il faut être constamment prêt, frères et sœurs. Donc, au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, j'appelais en fait pour réagir par rapport à Matthieu 25. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que la parole nous dit que les 10 étaient vierges. Donc, je voulais dire ce que j'ai compris et que vous éprouviez ce que je dis. En fait, de là, moi, je comprends que ce sont des chrétiens parce que les 10 sont vierges. Et que dans ces chrétiens, il y en a qui sont sages et d'autres folles. Et en fait, moi, ce que je voulais juste dire, c'était pour nous encourager parce que, justement, comme vous disiez, à discerner les temps, parce que la distraction ne vient pas forcément des gens de dehors dans le sens des païens ou d'autres choses, mais qu'elle peut venir aussi malheureusement de chrétiens parce que quand je lis que les folles qui disent « Donnez-nous un peu de votre huile », qui demandent aux sages leur huile, et elles disent fermement « Non ». En fait, c'est parce qu'on n'a plus le temps. Donc non. Mais en fait, c'est par rapport à une petite expérience que j'ai vécue hier. Donc je voulais juste encourager à vraiment discerner et à savoir ne plus être dans des sentiments aussi. Et vraiment nous sanctifier. Et je crois aussi que c'est vraiment ce temps-là où on a vraiment très peu de temps, donc se préparer. Donc c'était par rapport à ça que je voulais partager avec vous. Donc, gloire à Dieu. Vous Amen. Encourager à ouvrir les yeux par rapport à... et l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Gloire à Dieu. C'est souvent, effectivement, c'est ça. Et l'église qui est partie, les sages qui sont partis, elles étaient vierges, elles étaient sages. On sait que la sagesse est l'aboutissement de la crainte de Dieu. Donc l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui craint Dieu. Or, celui qui craint Dieu est forcément persécuté. Celle qui veut craindre Dieu sera persécutée, rejetée, sera solitaire. Alors, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Marcher avec Dieu en étant seul, bien sûr, s'il le faut, pour conserver votre salut. Voilà, quelque chose à dire. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui se trouve dans le livre de Psaume. Ok, Psaume. Psaume 90. Alors, Psaume 90. Je crois le verset 12. Où Moïse disait au Seigneur que... Psaume 90. Le verset 12 qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Amen. Donc, l'homme ne pourra pas appliquer son cœur à la sagesse aussi longtemps que Dieu ne l'a pas enseigné. Les hommes peuvent nous enseigner. Les prophètes ou les apôtres peuvent nous enseigner. Mais si Dieu n'enseigne pas, l'homme ne sera jamais enseigné. C'est ça. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que l'assemblée même les pasteurs, même les brebis, personne n'est enseigné par le Seigneur. Or, Dieu veut à tout prix que lui soit notre enseignant. Et Moïse, connaissant toutes ces choses, il demandait à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, si Dieu ne nous enseigne pas, nous ne serons jamais arrivés à mesure de comprendre ces temps. Jamais. Et c'est ça. C'est Dieu qui donne des visions comme ça, qui réveille notre esprit, effectivement. Donc, c'est très bien dit ici. Hein. Donc, effectivement, enseigne-nous à bien compter nos jours. Effectivement, on a très peu de jours aujourd'hui. Allô, bonsoir. Ok. Allô. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora.
En fait, j'ai une question. Vu qu'on parle du retour du Seigneur ce soir, en fait, j'ai juste vu une vidéo qui me tracasse, en fait. C'est que, en fait, le Seigneur, il a fait voir l'enfer à une petite fille. Et en gros, là-bas, il y avait bon, des menteurs, des voleurs et tout ce que on peut imaginer comme péché. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a dit qu'il y avait des filles qui étaient en enfer parce qu'elles avaient des boucles d'oreilles et parce qu'elles se parfumaient. Donc du coup, Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, en fait, il y avait une volonté de séduire. Ok, c'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est la volonté de me faire mal en fait. D'accord. Voilà. Ok, donc si je mets du parfum et que je mets des boucles d'oreilles sans vouloir séduire quelqu'un, je pêche pas. Tout à fait. Il n'y a pas de problème à cela. Le Seigneur, de toute façon, Dieu dans la Bible nous a... Hein, il y avait le parfum qui était confectionné et conçu par les sacrificateurs, par Moïse, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Ok. D'accord, ça dépend du type de parfum parce qu'il y a des parfums qui portent des noms bizarres, il faut éviter. Ok, d'accord. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur. Au revoir. Voilà, frères et sœurs, donc on va s'arrêter là, à moins que vous ayez un mot de la fin, je ne sais pas. As-tu quelque chose à dire, peut-être? Non, pas, rien. Non. Ok. Donc voilà, les gens appellent beaucoup hein, ce soir. Hein, donc voilà, frères et sœurs, soyez encouragés. Pas de distraction. Un conseil: ne rentrez pas dans la distraction. Ne répondez pas aux critiques des uns des autres. Restez focalisés sur le Seigneur, sur votre relation avec lui, sur vos familles, vos enfants, et continuez à avancer, à escalader cette montagne. Le Seigneur est au-dessus, il revient, frères et sœurs, nous prendre. C'est ce qu'il faut faire. Au nom de Yeshua, ne cherchez pas à aller vous justifier à gauche, à droite. Ça ne sert absolument à rien. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui confirme l'appel, c'est Dieu qui confirme ses enfants. Voilà, donc qui est son enfant, qui ne l'est pas. Donc ne cherchez surtout pas à vous justifier à gauche, à droite. Et c'est ce que l'ennemi veut faire avec les enfants du Seigneur. Il faut laisser Dieu, qui est notre Père, notre juge, le juste juge, nous défendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Donc, ça serait juste pour rapidement lire un petit passage biblique qui est en rapport avec le message. Donc, c'est Actes chapitre 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, qui dit « Or, quelques jours après, Félix, étant venu avec Drusille, sa femme qui était juive, manda Paul et l'entendit sur la foi en Christ. » Et comme il discourait sur la justice et sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit « Pour le présent, va-t'en. Quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler. » Espérant en même temps que Paul lui donnerait quelque argent, c'est pourquoi aussi il le faisait venir souvent et s'entretenait avec lui. Donc on voit clairement là que Paul prêchait clairement sur le jugement à venir, que Jésus allait revenir. Et Félix, qui ne voulait pas entendre le message du temps, était tout effrayé. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu corrompre Paul en espérant qu'il lui donne quelque argent. Donc c'est vraiment en corrélation avec ce que tu as donné aujourd'hui comme message. Que Dieu soit béni. Sois béni de l'Éternel et que la paix soit sur vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, frères et sœurs, donc, l'émission est finie. Je sais que vous êtes restés sur votre soif, et moi également, hein, croyez-moi. Mais cette semaine, donc, on continue les enseignements sur le temps et le discernement des temps de Dieu. Donc, il y en a plusieurs, le temps prophétique, le temps des nations, le temps d'Israël, voilà, donc de la persécution, la grande tribulation. Donc, on va beaucoup parler là-dessus pour vous montrer à quel point, pour qu'on se réveille en fait, hein, parce que le Seigneur n'est plus loin. Donc, voilà, préparons-nous pour les noces de l'agneau, frère. Bientôt, nous allons partir pour l'éternité avec notre Maître. Enfin, il va nous consoler de toutes ces souffrances, tous ces pleurs, lié à l'appel que nous avons tous reçu, celui d'annoncer Yeshua, notre Maître, que son nom soit glorifié. Et nous bénissons, mes amis, tout le monde, nous bénissons nos ennemis, nous prions pour eux, et que Dieu lui-même juge, et qu'il montre qu'il le sert et qu'il ne le sert pas. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous tenons quand même à vous dire que ce dimanche, on sera à Chartres, hein, avec... nos bien-aimés là-bas à Chartres avec notre frère Benito et d'autres. Et donc ce dimanche, le 27. Et puis le 15 août, on a une nuit de prière, de partage, de témoignage avec la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même, comme vous le voyez, hein, de plus en plus qui sont touchés par le Seigneur.
des jeunes issus des nations qui sont touchés. Merci Seigneur. Et ce n'est pas une église, c'est un travail que Dieu fait et puis chacun suit son Dieu. Voilà, donc on vous donnera toutes les précisions et l'endroit de cette nuit de prière, de partage, de témoignage, de chant, d'adoration, tout ça. Voilà, donc il y a un endroit qu'on a trouvé donc, pour cette réunion, donc cette nuit. Donc on invite bien sûr notre Seigneur Yeshua à ce jour-là aussi, comme souvent le cas, qu'il soit avec nous tout le temps. Voilà, donc ce sera le 15 août, ou le 14 août, pardon. C'est le 14 août, voilà, merci. Donc c'est un jeudi, si je ne me trompe, et le lendemain, c'est férié. Voilà, le 15 août, c'est férié. Donc du coup, ben, la veille, le jeudi soir, à partir de, voilà, donc à partir de 20h déjà, on sera là-bas. Voilà, donc on va passer du temps dans la présence de Dieu. Il y aura des sœurs qui chantent, qui ont des grâces par rapport au chant aussi, des frères qui vont aussi interpréter des chants à la gloire de Yeshua. Donc tu es invité également. Voilà. Et est-ce que tu peux dire un petit mot? J'aime bien cette langue. Quelque chose aux frères et sœurs du Maghreb qui sont touchés par la parole aussi. Je me joue à un quel moment rapide ou quel moment Jésus on le sert parce que la chadra hu le plus beau et je sais pas quoi dire. Voilà. Tu as déjà dit beaucoup. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur en tout cas. Alors à bientôt et à demain soir 20h30 heure de Paris pour la continuité des enseignements avec d'autres ministères. Il y aura d'autres frères. On sera là en tout cas pour s'encourager. À bientôt au nom de Yeshua. Et juste une précision. Nous bénissons Dieu parce que figurez-vous frères et sœurs. Bien qu'on ait dit qu'on a eu suffisamment d'argent pour la révision de la Bible, les gens continuent à faire des dons. On a encore reçu, 300 euros il n'y a pas longtemps, on a reçu 1 000 euros aujourd'hui d'un frère. Donc on a plus de, je crois bientôt 11 000 euros, on a dépassé de plus de 11 000 euros. D'accord ? Donc ça fait plus de 95 000, ça fait 95 400 en 7 mois et demi. Voilà, que Dieu a donné pour la révision de la Bible. Et nous tenons à dire merci au Seigneur et aux frères et sœurs qui pensent à nous dans la prière, qui nous soutiennent. Croyez-moi, quand on vous entend comme ça nous appeler, comme le frère qui vient d'appeler pour lire ce passage biblique, à chaque fois, parce que je reconnais à chaque fois sa voix, et on est encouragés. C'est votre télé, c'est la plateforme que le Seigneur nous a donnée. C'est à tout le monde, à tous les enfants du royaume. Si vous avez des témoignages à faire, venez le faire, il n'y a pas de problème. Nous sommes encouragés et c'est ça le royaume. Encourageons-nous comme ça. Prions les uns pour les autres, supportons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Yeshua revient, on va être pendant l'éternité ensemble, mes amis, là-haut, avec notre Papa Céleste. Toute la gloire soit à Dieu Yeshua, notre Maître. À demain, au revoir.